Coucou les copines, bienvenue dans une nouvelle vidéo et ça va être un week-end vlog. La voiture elle est tapée comme ça depuis longtemps. Ouais, ça commence à vraiment, ma voiture elle commence à se dégringoler. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Parce que tout le monde me la frappe, je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui la frappe hein. Il y a des gens je pense qui ont du mal à se garer et tout, excusez-nous. Ici on est de la team qui savons se garer. J'ai mis des années avant de savoir me garer mais j'ai fini par le savoir le faire. Donc quoi, c'est Neste et Drapoliato dans Belgique, ils nous font un parking privé. Pour ma Porsche. Donc, je vous ramène avec moi en week-end vlog. J'ai fait un weekly vlog, mais je vais vous le poster. Mais il n'était pas très intéressant parce que c'était un weekly vlog qui tourne autour de mon partiel de statistique. Et si vous me suivez sur mes autres réseaux, bah vous savez que de toute façon, je l'ai raté mon partiel et que j'irai au rattrapage et que c'est pas plus mal parce que ça me laissera toute l'année pour réviser en fait, jusqu'en juin en fait, pour réviser les stats. Enfin bref, là on parle positivité. Aujourd'hui, on va aller. Tu as raté l'examen. Bah oui, Si, mais j'ai la main, je l'ai raté que je te l'ai dit, le mat. T'as le mat. Désolée. Pardon, ma pune. Je te rends pas fière. Je suis dyscalculique. C'est juste pour ça. Bon, bref, on va pas reparler. En tout cas, là, on va aller d'abord manger. J'ai trop faim. Je crois que j'ai envie d'aller dans un buffet à volonté. J'enlève ce bandeau. Ma gèche, non. Mais j'aimais bien. En fait, parce que mes cheveux, sinon, on dirait qu'ils sont tout le temps gonflés. Voilà ce qu'elle est belle. Bah en fait j'allais dire à ma mère on va chercher des pyjamas parce que j'ai besoin de nouveaux pyjamas. Mais le problème c'est que comme on est samedi, ça va être rempli, on va encore aller à Primark, on va déposer tout ce qu'on a pris. Donc ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc on fait quoi? On va juste manger. Et on dit les courses, madame. Tu vas les faire où? Ah oui, et aujourd'hui je vais faire ma coloration parce que j'ai trop de nouvelles reflets. Donc je pense que je vais la... Non, pas aujourd'hui parce que je viens de me laisser les cheveux hier. Bon les copines, là on est venu faire les courses. On dirait que j'ai des cuisses fines. Oui les filles, je suis en train de maigrir. Heureusement que je sais que dans ces toilettes, il n'y a jamais personne. Je vous ferai un retour de course. J'ai quelques produits de beauté à prendre. On a pris quelques petits trucs pour les chats, mais il faut qu'on réapprovisionne plus nos stocks. Du coup, on est encore en train de chercher leur truc parce que mes chats, ils sont habitués à des marques. Ils mangent pas tout et tout, vous voyez. Ils sont habitués à certaines marques et tout. Ah, j'arrive pas à tourner. Alors... cette brume, honnêtement, je sais pas pourquoi tout le monde en parle. Je l'ai achetée parce que je la voyais partout. Je peux mettre ou pas? Oui, c'est un testeur. Tout le monde en parle, du coup, je l'ai achetée. Mais l'odeur, elle est sans plus. Vraiment, je comprends pas l'engouement autour de cette brume. Elle sent même pas le propre. Elle sent juste une odeur très neutre. Elle sent pas très bon. Je l'ai vue partout, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai à la maison. Hein. Des fois, je la mets parce que la composition, elle est bien, mais elle est sans plus. Vous savez, quand je vois les produits Mustela, ça me fait tellement penser à toute mon enfance parce que je l'en utilisais jusqu'à très tardivement, genre jusqu'à mes 16-17 ans. Ma mère, elle continue à m'acheter Mustela. Et ensuite, dès que je me suis mis au bio, j'ai commencé à arrêter. Et là, je suis en train de voir qu'ils sont en train de créer des nouvelles gammes bio. Et je suis à deux doigts de m'y remettre parce que Mustela, franchement, c'est vraiment une très bonne marque pour cheveux. J'ai arrêté parce que ensuite, je suis rentrée dans tout ce qui est naturel et tout. J'ai compris que c'était néfaste pour le cuir chevelu, en tout cas, pas pour le cheveu qui est mort. Mais pour le cuir chevelu. Mais là, je suis en train de voir qu'ils ont fait des gammes bio. C'est trop bien. Ça, pareil, c'est une des meilleures eaux micellaires que j'ai testées. Ensuite, j'ai arrêté parce que je me suis mis au bio dans la peau. Mais franchement, elle est trop, trop bien celle-ci. Vraiment, j'ai envie de la reprendre. Il y a beaucoup de marques qui se mettent au bio. Hein. Regardez, même Nuxe. Ça n'a jamais été bio, Nuxe. On est d'accord. Bah, franchement, c'est tant mieux. Dans les huiles essentielles, si j'ai deux huiles à vous conseiller, c'est un... la titrie, ça c'est pour tout ce qui est assécher les boutons et tout. Et celle-ci, le romarin, vous rajoutez juste une à deux gouttes dans votre shampoing et ça permet de faire pousser les cheveux. Vraiment, les huiles essentielles, c'est trop bien pour la pousse des cheveux. Bon, là on met les courses dans le coffre et on a pris des petites tartes aux fraises. Bon, finalement on est juste venu au Quick. Tous les samedis, je vous dis, bon les filles, on va aller manger au buffet à volonté, après on finit au Quick. En fait, on aime bien manger dans la voiture. Bon, moi, j'ai pris un crispy onion. Il est trop bon, celui-là. Regardez, il y a des oignons frits. C'est tellement bon. Pour ceux qui sont fans d'oignons, c'est trop bon. Mmh. Mmh. Et ma mère, elle a pris un long chicken. Je me rappelle, quand je travaillais au KFC,
je prenais toujours des grosses poignées de ketchup et je les mettais dans les sacs. Parce que ça, il n'y a rien dedans. Et je sais qu'il y a des gens qui consomment beaucoup de ketchup. Et un jour, mon patron, il a dit, c'est qui vide toujours les trucs de ketchup? Et après on a dit, bah je sais pas, moi aussi je vois les gens un peu faire une poignée comme ça. Bon, c'est vrai, moi j'en mettais trop. Et après là, il nous a dit, à partir d'aujourd'hui, ça va être 2 sauces obligatoires. Et du coup, dès qu'il a dit ça, bah je mettais 2 sauces. Et à chaque fois, bah en gros, les gens ils disaient, bah on a que 2 sauces. Et quand il dit ça, c'était trop gênant. Parce que les clients, quand vous leur mettez que 2 sauces, ils te disent, mais on a que 2 sauces. Une petite bouchée pour les petites Suki. Bon, les filles, on a fini de faire les courses et on a rangé dans la voiture. Et là, on a pris une petite tarte. Là, c'est pour toi, je la veux pas, non. Non, je te jure que je la veux pas. Anna a pris de la tarte aux fraises. Mais d'où tu veux pas. Je veux pas. Je te jure que je veux pas. Oui, d'où Attends. Très bon. Anna, je t'ai fait la vitrine, et toi, c'est pour ce qui est là. Non, والله ما بيت صافي حلفت. خذ. بيت. بسم الله. Elle a boîte de mouchoir, elle a dit Lena d'abord. Arrête de faire semblant, elle comme ça je le mange moi. Non, là je prends ça que pour moi. Quand tu n'as qu'une petite chips. Un petit peu chaud. Allez, fais drôle, mais arrête le ménage tout le temps. Il fait rien. Mais maman, je fais le ménage et tu refais après moi. Non. Mais si, c'est pour ça que je fais plus. Elle va me dire de. L'air, les maman, elle fait que ça y a de la ceinture. Je peux plus rouler avec la ceinture comme ça tout le temps. On roulait, elle me stresse, elle est tout le temps comme ça, ma ceinture. Je prends mon téléphone. Alors là, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre de l'essence parce que j'ai plus d'essence. Et ensuite, on va laver la voiture parce que elle est extrêmement sale. Bismillah, j'ai trop hâte. Moi, j'aime trop les tartes aux fraises, c'est mon kiff. Les fraises, elles sont sucrées, elles sont pas acides. La crème est bonne. Elle a un goût de Ma mère, elle m'a regardé. Elle n'aime pas quand je fais ses têtes. Elle me regarde, elle fait ça. Délicieux. Les gens dans les dégustations. Et vous savez, c'est ces gens-là qui me donnent envie. Moi, les gens qui me donnent envie de manger, c'est ceux qui mangent avec parcimonie, avec modération. Et souvent, les gens qui dégustent, ils font ça. Ils font vraiment comme ça. Ils font ça. C'est très marrant. Croque dedans. Comme pour les dégustations Candy San. C'est pour ça que toute mon enfance j'ai regardé les dégustations Candy San. Ils ouvrent des produits, ils sont censés déguster et donner leurs avis. Ils vont manger ça. Ils vont faire. Enfin, aujourd'hui ça va être vraiment. Je vais laver la voiture de fond en comble. Déjà l'extérieur, je sais pas pourquoi. Je suis la seule en Ile-de-France, on dirait que je roule sur la boue. Ma voiture est toujours remplie de boue. Ensuite, l'intérieur. Starfall, c'est une catastrophe. Et, vous savez, comme je suis tombée très malade ces derniers temps, je me suis dit c'est peut-être à cause du fait que je porte toujours des cols ouverts. Et du coup, bah regardez aujourd'hui ce que j'ai mis. Regardez ce que j'ai mis. Voilà. C'est pas un col ras-le-cou jusqu'à là, mais presque, hein, presque. Il me dérange un peu, hein, mais c'est pas grave, c'est pourquoi ça me fait mal. Bon, je mets de l'essence, c'est bizarre parce que c'est pas le même diesel que d'habitude. Normalement, le mien est jaune, mais là, il n'y avait pas de jaune, c'est pas grave. Je pense que c'est la même chose, de toute façon, il y a écrit dessus. On est lundi, on est le lendemain. Je suis partie en cours, j'ai laissé mon ordinateur dans la voiture.
Là, j'ai rejoint la petite dame. On va aller manger. Regardez, mes lèvres, elles sont bleues. C'est à cause d'une sucette que j'ai mangée. Ne vous inquiétez pas. Mes pneus ne font aucune réaction. C'est juste la sucette. Et du coup, là, on va manger au buffet à volonté, enfin. Ça fait 4 weekly vlogs, j'arrête pas de vous dire qu'on va y aller. En fait, on s'est trop habitué à manger dans la voiture. Du coup, on n'a plus l'habitude de s'asseoir et tout. Mais comme là, on a un lundi en plein 14h, on sait qu'il sera vide. Donc, c'est parti. Bon, les copines, on a fini de manger. Et je suis passée à Primark m'acheter les pyjamas. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais besoin de pyjamas. Du coup, j'ai fait un petit stock de pyjamas. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Mais il y aura des trucs que je vais pas vous montrer. Parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai acheté pour le swap de Sarah et moi. Je vous ai dit sur Snap que Sarah et moi, on allait faire un swap. Du coup, j'ai pris ça pour emballer les cadeaux. Pour celles qui savent pas ce que c'est un swap, j'en regarde souvent sur YouTube. C'est en gros, on s'offre des cadeaux. On les emballe, on les numérote, on écrit un petit truc. Et ensuite, on doit les ouvrir l'une à côté de l'autre. Bref. Et du coup, bah, j'ai pris ce papier peint à Primark, regardez comment il est trop beau. Papier peint Stitch. Il est vraiment trop trop beau. Bref, alors je vous montre tout ce que j'ai pris. J'ai pris ce pyjama là. Il était à 9€. Un pyjama comme ça, normal, avec des petits cœurs. J'ai pris ce pyjama là. Trop beau. Bambi. Et j'ai pris un comme ça. Trop trop beau celui-là, c'est mon préféré. Et j'ai pris un comme ça aussi avec des petits chiens. C'est pas trop mignon, des petits chiens qui ferment les yeux, regardez, c'est trop mignon, il est trop beau, rose. Ensuite j'ai pris un peignoir aussi, 12€, c'est vraiment pas cher. En plus ils sont vraiment beaux. Il y en a plein, il n'y a pas que ces qualités, il n'y a pas que celui-là. Ensuite, j'ai pris ça et ça, j'ai pris à normal. Je voulais juste tester, c'est des pop-corn au choupa choup. Et ça, c'est des trucs à Sarah, je ne vous montre pas. Et ça, c'est quoi? C'est encore un pyjama? Ah bah, c'est encore un pyjama. Celui-là, gris, simple. Et c'est tout. C'est tout. Bon, je vous montre quand même un cadeau de Sarah. C'est pas trop mignon. Regardez, c'est des petits bonbons comme ça. Enfin, c'est un parfum avec un. Je sais pas si c'est un savon ou une baume de bain. Il sent super bon celui-là. C'est le Yummy Candy à Adopt. Et regardez, ils l'ont emballé comme ça. C'était trop mignon. Je connaissais pas ça. Bref, je vous montre pas les trucs que j'ai pris pour Sarah. J'essaie de pas trop lui prendre des trucs à Primark parce que je me suis dit que elle aurait l'idée d'aller là-bas. Et que si elle a l'idée d'aller là-bas, bah on va se prendre les mêmes trucs. Donc ça sert à rien. Et du coup, bah, j'ai pas encore fini le swap. Hein. J'ai pas encore fini. J'ai envie de prendre des trucs un peu original et tout. Mais pas en même temps des trucs qui vont lui servir à rien. Parce que ce serait de la perte. Enfin, ce serait de la perte pour elle. C'est nul. C'est nul d'avoir des objets qui ne servent à rien. Genre, je voulais lui prendre quand même des trucs un peu bien. On s'est fixé un petit budget. Pas énorme, un petit budget. Et voilà. Et j'ai trop hâte. J'espère que vous aimez les swaps. Hein, parce que moi, j'aime bien regarder les swaps. J'espère que vous aimez les swaps. Bon bah voilà, bon les filles, je crois que je vais mettre fin au weekly vlog tout de suite, comme ça j'ai le temps de vous faire le montage. Du coup je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis demain pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bisous mes petites souquilles.